Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je ne dors pas. On a séminaire ce soir. Donc, on est censé commencer dans. Normalement, on devait commencer à minuit. Donc, on commence dans environ 15 minutes. J'ai voulu d'abord faire cette vidéo parce que ça va parler à quelques personnes. Donc, bonsoir, bonsoir. Quand je sens le message, je me connecte, je parle. Vous allez être dans une période de. Vous allez être en bataille. Ok, les ancêtres me disent de vous dire. Ok. Je vais nettoyer l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je nettoie l'atmosphère dans votre maison. Ok. Il me charge de vous dire que la raison pour laquelle vous avez l'impression que vous allez exploser, c'est parce que vous êtes en pleine métamorphose. La métamorphose ou la mutation. Quand le poussin va éclore, il passe d'une dimension à une autre. Quand l'enfant va naître, il passe d'une dimension à une autre. Et les choses ne sont plus jamais comme elles étaient avant. Le passage de cette dimension à l'autre est fait de douleur, de cris. J'ai l'image en fait de quelqu'un qui a un corps à l'intérieur de lui qui va déchirer la peau du corps qu'il a actuellement. Et qui va sortir. Et ça cause beaucoup de douleur. Il y a des nuits où vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas la nuit. Vous avez perdu le goût. Vous avez perdu le goût. Vous ne trouvez plus le réconfort dans la nourriture. Vous ne trouvez plus le réconfort dans le sexe. Vous ne trouvez plus le réconfort dans les amis avec lesquels vous parliez avant. Ils me disent de vous dire que c'est comme une cumulation, c'est comme un paroxysme de vos désirs. Dans les 5 dernières vies, vous avez accumulé. Et il y en a parmi vous, vous avez eu à faire des cercles vicieux. Vous êtes parti. La 5e vie, tu l'as fait. La 4e vie, tu l'as fait. Même la vie que tu avais avant celle-ci. Tu étais sur le point d'accoucher et tu es décédé. Maintenant, les astres sont alignés. C'est un peu comme tout, si tout est focalisé sur vous. Et tout est aligné pour que cette fois, vous puissiez percer et éclore. Ah, c'est le message de minuit, c'est pas pour n'importe qui. Vous ne devez pas rejeter la douleur. Vous ne devez pas essayer de fuir en rejetant la personne qui vous donne la douleur ou encore la circonstance qui vous donne la douleur. Mais vous devez vous asseoir avec la douleur. Shifter votre énergie. Beaucoup de bains nécessaires. Beaucoup de bains. C'est un peu comme si quand vous vous lavez, ça enlève une couche de mauvaise énergie. Vous êtes en train d'enlever les écailles sur votre corps. Là, ce n'est pas moi qui parle.
Et vous sentez, quand je parle, vous sentez l'énergie en vous qui bouge. Vous sentez dans vos bras, vous sentez. Vous allez sentir ici, vous allez sentir comme ça. C'est une sorte de puissance qui bouge. Ça fait ça. Il y en a, vous sentez beaucoup de picotements dans vos mains ces derniers temps. Beaucoup. Ce n'est pas du hasard. Beaucoup. Joël chapitre 2, verset 28, il a dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. La prophétie est en train de s'accomplir. Toutes les galaxies sont focalisées sur vous actuellement. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un roi en pleine métamorphose. Oh my God, je sens tellement. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Et la personne qui va sortir, c'est une personne avec plein de puissance. Je sens votre chakra. Le chakra de la puissance ici, là. En bas, là. C'est comme si Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 27, celui qui croit en moi, de son ventre, out of his belly will flow rivers of living water. Il y a de la puissance qui est en train de sortir de votre ventre. Peut-être vous êtes dans un foyer, vous êtes incomprise par votre mari. Vous venez de perdre votre parent ou votre enfant. Vous venez de perdre votre boulot. Tout a été calibré. Écoutez, l'univers ne se trompe pas. Tout a été calibré pour le moment. Si vous m'écoutez, je devais être en train de faire le séminaire là, je devais commencer. Et là, je suis là, je sens, je suis inconfortable. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu dois leur parler. Vous avez commencé votre chemin depuis longtemps, depuis des siècles. Ce sont des choses que vous n'allez pas entendre partout. Parce qu'on est censé vous fermer les yeux. Mais votre corps réagit. C'est pour ça que tu arrives quelque part, tu dis que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois aller là-bas. Je suis là pour vous activer. Quand on se séparait, écoutez-moi bien. Quand on se séparait, on s'était entendu que j'allais venir vous rappeler ceci maintenant. Donc si vous m'écoutez, ceci est bizarre, like, c'est pas vous. Et je répète, faites confiance au picotement. Vous allez sentir, il y a l'énergie qui est en mouvement. Certains, vous allez vous réveiller la nuit. Votre corps sera en feu. Les bains de sel, c'est un contact physique d'activation. Il y a une armée qui est en train de se réveiller. Parfois, vous rêvez, vous vous trouvez, on vous poursuit, non? Vous êtes dans une armée. C'est comme si il y a la guerre, et puis on cherche à vous tuer, et puis vous fuyez, vous sautez les barrières. Il n'y a pas de rêve, en fait. Vous ne rêvez pas. Mais apparemment, je dois tout vous dire ce soir. Il y a la vérité qui doit sortir. Ceux qui sont censés être en séminaire avec moi, vous allez attendre. Vous avez compris, non? Le séminaire doit attendre parce que le message aussi doit sortir. Ça fait seulement 8 minutes que je parle. Attendez, je vais poster dans le groupe du séminaire. Excusez-moi, s'il vous plaît, je suis en direct. Donc, on va commencer le séminaire dans. Je vais prolonger encore de peut-être 10 minutes ou 15 minutes.
On vous a fait croire que vous étiez impuissant dans vos rêves. Oh my God. On me donne l'image de les ailes de l'oiseau. Il y a un oiseau qui vient souvent sur la fleur. Et ses ailes battent au moins 75 battements par seconde. Genre, c'est une vitesse. Vous êtes en train d'être accéléré. Il y en a parmi vous dans le rêve, souvent vous voyez en train de courir ou en train de voler. Parfois vous voyez dans le rêve, vous êtes comme un animal. Tu te sens dans le rêve en train de... Tu es un lion, tu es un cheval, tu es en train de courir. Et tu te réveilles, tu dis... Le moment est en train de venir où vous n'allez plus vous cacher. Le moment est en train de venir où vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Il y en a parmi vous, vous rêvez souvent, vous vous voyez habillé, couvert de diamants. Ils me disent de vous dire qu'il y a la puissance, il y a une puissance pure à l'état cru qui circule dans vos veines. Quand je parle comme ça, vous êtes en train de sentir, c'est en train de vous activer. C'est pour ça que quand vous êtes en Europe, on vous dit, tu as besoin des papiers. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Quelque chose à l'intérieur de vous, vous sentez que ce n'est pas votre place. Ils me disent de vous dire que le moment est arrivé où on ne peut plus vous contenir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What is happening? Ils ne peuvent plus attendre longtemps. Je suis là pour vous dire que on vous a menti. Si votre pouvoir est de telle façon que si on te fait croire que tu ne peux pas, il suffit qu'on te dépose dans ton esprit, tac. Tu sais quoi? Ça t'immobilise, tu calmes comme ça là. On te dit que tu fais quoi là-bas? On m'a dit que je ne peux pas bouger. Tu fais quoi? Bouge alors. Non, on m'a dit que je ne peux pas bouger. On dit bouge, tu peux. On m'a dit que je ne peux pas bouger. Votre puissance est dans votre vision. Chaque fois que vous dormez, sachez que vous ne rêvez pas. Donc, si on met le facteur, on ajoute le facteur, je ne dors pas, mais je fais juste autre chose. Ils vous ont fait croire que vous étiez des sorciers. Oh my God, oh my God, oh oh oh, oh, je ne sais pas si je rêve ou si c'est la réalité. Votre puissance ne peut être contenue. Vous ne pouvez suffire dans une case. Vous ne pouvez suffire dans une chambre. Tu n'as rien répondu, James. Ok. La raison pour laquelle vous vous sentez tellement mal, c'est parce que vous n'avez pas respecté l'accord, les termes du contrat. Vous n'êtes pas venu pour rester être comme ça là. C'est pour ça que l'argent pour vous, c'est le dernier des soucis. Mais on vous a fait croire l'inverse. Tu as besoin de travailler un an avant d'avoir l'argent, si. Tu as besoin de faire 5 ans avant d'avoir ça. Tu dois faire 20 ans avant qu'on te donne la maison.
Jésus partait, il disait, lance le filet là-bas. Il travaille avec l'énergie. Votre premier devoir pour 2022, c'est de faire que l'argent ne soit plus un souci pour vous. Vous voyez que tout janvier, c'est forcément faire la télé sur l'argent. Quand vous déposez l'argent de côté, vous pouvez commencer les vraies choses. C'est pour ça qu'on vous voit laver l'argent. Oh my God, inspiré. Il y a tellement, tellement de puissance disponible ce soir. Wow. Oh my God. Oh là. Wow. Oh wow. Il y en a parmi vous, vous êtes des dragons. Vous êtes des dragons. Vous êtes des dragons. Un dragon crache le feu. Fermez vos yeux pendant que je parle de vous, vous allez voir. Fermez les yeux. Sentez vos ailes. Allez-y, sentez vos ailes. Sérieux. Essayez de faire bouger vos ailes dans votre esprit. Allez-y. Allez-y juste. Tu me dis que pourquoi on est des dragons. Si tu n'es pas dragon, tu n'es pas dragon. Ouais. Je bloque les gens en passant. Fermez les yeux, sentez vos ailes. Le dragon crache du feu. Donc, il y a un feu à l'intérieur de vous. Maintenant, imaginez-vous juste une seconde. Vous étendez vos ailes. Allez-y. Commandez avec votre esprit. Hein. Allez-y juste. Vous allez voir que ça va s'élargir. Ça va même atteindre les bordures de votre ville. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous élever. Je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que ça va. Ça doit parler à deux, trois personnes ici. Vous avez une vue de faucon. Vous êtes en train de vous élever, hein? Vous avez une vue de faucon. Vous connaissez tout, vous voyez tout. Vous n'avez peur de rien. Ils me disent de vous dire qu'il est temps que le feu qui est en vous sorte. Vous n'êtes pas fou. On vous a fait croire que vous êtes fou. Là, on me donne la pipe. Hein. L'autre jour, je suis passé quelque part, je voulais acheter la pipe. Ça m'a tellement plu. Je dis, mais pourquoi j'ai envie d'acheter la pipe si? Le feu qui est en vous ne peut plus être contenu. On vous a beaucoup. Il y en a parmi vous, votre chakra de la gorge, vous ne parlez plus. On vous a frustré. Ton mari t'a frustré. Beaucoup de femmes sont frustrées par leur mari. Beaucoup. Ton ex, ton père. Du coup, c'est là. Tu dors. Ok, Kimi vit. Pardon, écris-moi sur WhatsApp, je te mets dans le groupe. Il y a un groupe pour le séminaire. Après ça, je vais aller dans le groupe. Là, on va faire le truc tout à l'heure. Écris-moi sur WhatsApp maintenant, je te mets dans le groupe. Je ne savais même pas que tu étais. S'il te plaît. Vous devez vivre pleinement votre puissance pour laquelle vous êtes venu. Vous vous êtes laissé incarner à nouveau ce corps parce qu'il y avait des choses que vous êtes censé faire. Vous avez déjà dépassé la religion. Voilà, c'était votre premier test.
où on vous bloquait, 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 les morts sont morts. Oh, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Oh, le diable va te punir. Oh, ceci. Vous avez compris. Vous êtes sorti de là. Maintenant, vous comprenez que Dieu et moi, nous sommes un. Une femme m'a écrit aujourd'hui, elle me dit, je suis partie à l'église depuis que j'ai 8 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne veux plus. Bonsoir la reine Mecca. Il y en a parmi vous, vous allez sortir de certaines églises. Donc vous allez arrêter totalement. Que c'est bon. Il n'est pas plus. Et quand tu comprends que tu es un avec Dieu, tu comprends ta puissance. Et quand tu commences à découvrir ta puissance, quelqu'un va te dire, non, tu ne peux pas. Ils me disent de vous dire que le moment est arrivé. Écoutez bien. Le moment est arrivé. Certains d'entre vous n'allez pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je fasse ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'ils partent là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais. Je ne sais pas, mais je me suis retrouvée là-bas. Vous êtes sorti. Oh, ouais. Il y en a parmi vous, vous avez été couronné, ça fait pas longtemps. J'ai rêvé, j'ai vu qu'on m'a mis la couronne sur la tête. Gna, 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 gna. Tu ne rêvais pas. Arrêtez. J'ai rêvé, tu ne rêvais pas. Que votre langage change à partir de ce soir. Je donne la vie éternelle, Charlotte Nana, tu as dit ça plusieurs fois. Tu ne vas pas mourir avec moi, tu vas vivre encore plus. Votre puissance est en train d'être quintuplée, multipliée au centuple même. Il y en a parmi vous, vous avez des méthodes de guérison qui vont venir intuitivement. Parce que dans ton ancienne vie, tu étais guérisseuse. Tu restes là, tu te rappelles des choses. Tu prends ça et ça, tu mets ensemble. Ça donne. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Celle qui a mal aux épaules, prends de l'huile d'olive, tu te masses avec. Huile d'olive. J'ai fini. Mon message est passé. Vous avez compris, non? La puissance de minuit là devait sortir. Donc, je fais les déclarations sur vous et je vais faire mon séminaire.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens restaurer votre puissance. Je restaure votre joie. Je déclare que qui que ce soit autour de vous, qui vous faisait croire que votre puissance est petite, j'éloigne ces mauvaises énergies de votre environnement. Je vous sors de tout cercle vicieux. Que tu vas te retrouver dans le même genre de relation. Tu vas tout buter le même mur. Tu vas tout te faire escroquer. Tu vas toujours. Je vous sors de ces cercles vicieux maintenant. Je déclare que vous avez atteint votre cycle complet de souffrance. Et je brise. I break forth now, right now, in your life. Je brise maintenant toute barrière qui était devant vous. Les barrières dans lesquelles, quand vous arriviez souvent, soit vous mourrez, soit vous restez là-bas. Je déclare que vous percez et vous allez de l'autre côté maintenant. Ceux qui veulent rejoindre mon séminaire à la dernière minute, c'est 75 000 francs pour la participation au séminaire. Donc, on sera en ligne de minuit 30 à 4h30. Comment transformer ses dons en argent? C'est ça le titre du séminaire. Donc, je viens briser toute chaîne. Il y a beaucoup parmi vous, quand vous êtes nés dans ce corps, vous aviez des chaînes sur les pieds à cause de vos parents. Ce qui fait que ta chaîne t'empêche. Donc tu marches, tu avances, à un moment tu sens que la chaîne te retient. Après tu rentres encore. Et détruis ces chaînes. Prenez de l'huile d'olive, vous tracez une ligne sur votre pied, comme si vous aviez une chevillère. Et quand vous tracez, vous dites, je déclare que je détruis toute chaîne, tout boulet qui m'a retenu attaché au poteau ancestral qui a dérangé mes grands-parents et mes parents. Beaucoup d'entre vous avez les dons spirituels. Vous venez ici là, vous écoutez, vous voyez beaucoup de choses. Vous avez même plus de dons que moi. Mais vous êtes pauvres. Écoutez, vous m'avez envoyé pour vous délivrer de cette pauvreté. Vous m'entendez? Vous m'avez élu reine là pour vous délivrer de cette pauvreté. Par l'onction de prospérité qui parle sur ma vie, je viens vous délivrer et je vous sors de ce trou. Je déclare que vous allez vivre de vos dons. Je déclare que vous allez aider des nations avec vos dons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le séminaire, tu peux payer par PayPal ou bien par Orange Money. Je commence dans 10-15 minutes, donc il faut que tu vas me contacter. Le numéro est peut-être, tu n'as pas mis le numéro ici là. Le numéro c'est 00237-680-710-701. 237-680-710-701. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre Vous m'entendez? L'erreur. Je vous avais demandé d'acheter le parfum le Mont Saint-Michel, non? Il y a certaines choses que vous devez mettre en vous pour vous activer. Vous avez compris? Hein? Comme ça là. Ça active. Il y a beaucoup d'autres secrets, je ne peux pas vous dire ici. Parce qu'il y a les Decepticons qui me regardent, bien sûr. Ils ne veulent pas mon avancement. Il ferait tout pour que je m'arrête. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est pas vous qui m'avez appelé. Oh oh! Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Rappelez-vous de ça. Beaucoup d'entre vous, cette nuit, on va venir vous couronner encore. Ils vont venir vous visiter. Vous avez suivi. Vous avez suivi. Tapez Amen. Mettez du sel dans les quatre coins de votre chambre. Celle de cuisine ou celle de mer. Ok. Et Yenga, écris-moi s'il te plaît. Je t'envoie le lien du séminaire de la planification de 2022. Tu as compris? Quand vous écrivez, je vous en prie. Si vous me faites le message, je ne réponds pas. Refaites le message. Tu as compris? Écris-moi maintenant. Il y avait quelqu'un qui avait écrit pour le... J'ai besoin de voir vos messages maintenant.
680 710 701. Il y en a qui met le poivre, il y en a qui met le coup de girofle. Ils vont révéler à chacun. Donc, chaque roi et reine, chacun quand on vous envoie, vous avez vos outils. Il y a des gens qui soignent avec le sel et l'eau. Il y a des gens qui soignent avec le poivre et le sel. Il y a des gens qui soignent seulement avec. Donc, chacun a ses armes. Parce que ça se mélange avec ton onction et c'est là que c'est activé. Tu comprends? Ok. Je vous en prie. Si vous avez à payer pour le séminaire de la semaine passée, alors écrivez-moi à nouveau, je vous envoie le lien. Si vous avez payé pour le séminaire de cette nuit et que vous n'avez pas encore reçu le lien, on va commencer dans 5 minutes. Ok. Voilà. Passez une bonne nuit. Et vous retenez la couleur de votre couronne. Si c'est la couronne rose, si c'est la couronne en diamant, si c'est la couronne. Retenez la couleur seulement. Vous avez compris, non? Ok, là, il y a une personne qui demande le lien pour le séminaire de l'atelier. Ok, je te réponds maintenant. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Bon, vous passez une bonne nuit. Tu as reçu, j'espère, ma chérie. Beaucoup d'entre vous là, allez vous laver encore avec le sel avant de dormir. Vous allez voir comment votre énergie, ça va s'en exploser. Je vous assure. Vous allez marcher, voilà. Quelques signes. Vous allez souvent arriver quelque part comme ça là, quelque chose va tomber au sol. Ou bien tu arrives dans une pièce, quelqu'un jette quelque chose au sol. Ou bien tu arrives, vous allez remarquer que votre énergie va devenir tellement puissante que quand vous allez arriver quelque part, soit quelqu'un va glisser ou bien va se cogner. C'est un peu un des signes. Ok. Oui, persil et basilic, ça c'est un des produits qui m'ont montré ça hier. Chaque roi et reine a ses outils, n'oubliez pas. Ok. Bon. Bonne nuit. Bye.